Coucou mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois de juillet? On va aller regarder ça à travers votre prédictif. Il y aura aussi le domaine professionnel, voilà, comme d'habitude. Les énergies, comment est-ce que vous allez vous sentir dans ce mois? Quelles vont être les vibrations pour vous, énergétiquement parlant? Et puis on finira par la guidance sentimentale, voilà. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, les pouces bleus c'est très important, ça fait avancer la chaîne. Et puis vous êtes comme ça, acteur et actrice, tout simplement, vous me dites que vous aimez la vidéo. Ici en bas à droite, vous pouvez vous abonner aussi, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et guidances que je poste. Si vous connaissez des copains et copines Lyon, vous pensez que ça peut leur intéresser, leur apporter des choses, n'hésitez surtout pas à leur partager la vidéo. J'utilise pas mal d'oracles. Ils sont situés juste en dessous, je vous les marque au niveau de la barre de description. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein. Donc ne prenez vraiment que ce qui est bon pour vous, que ce qui résonne, que ce qui est positif, ce qui vous met en émoi dans votre cœur. Bref, vous l'avez compris. Du côté guidance sentimentale, je vous le dis aussi dans la présentation, je vais vous faire un spécial célibataire Lion. Voilà, pour l'été, juillet, août. Donc ne vous en faites pas si je ne parle pas des célibataires dans cette vidéo. Je suis enrhumée, excusez-moi. Apparemment, j'ai une voix de téléphone rose. Bon, ben, allons-y, c'est parti, let's go. Alors, les lions, on va commencer par le prédictif et la première carte de l'oracle des nombres d'Élodie Duverger qui nous présente donc ce bel oracle, une belle énergie hein, dans ce nouvel oracle que j'ai acquis. Voilà, si vous êtes intéressé par la numérologie, c'est vraiment les chiffres et les nombres vous parlent, c'est un bon achat. Moi, comme j'aime la numérologie, voilà, je vous le dis. 28 pour vous, ce mois-ci, juillet, les partenariats. Donc là, ça va parler beaucoup, effectivement, d'échanges, de communication. Moi, je ressens qu'il y a plus un côté professionnel, hein, d'accord? Alors, vous n'allez pas être marqué que par ça, mais j'ai l'impression que le professionnel va peut-être être au cœur de ce mois. Alors, si vous partez en vacances, peut-être que vous allez embarquer une partie. Vos pensées vont se tourner un petit peu, peut-être, alors il y aura peut-être des inquiétudes par rapport aux professionnels, parce que vous n'aurez pas fini certaines choses, parce que justement, j'ai l'impression que peut-être que vous n'arriverez peut-être pas à décrocher totalement. Ça, je le ressens vraiment, parce que le pro est au cœur vraiment de vos pensées et de votre être. Au jour d'aujourd'hui, je le ressens vraiment comme ça dans les énergies. Le chiffre 2, c'est donc cette dualité. Vous avez besoin d'un aspect extérieur. Là, des fois, dans le chiffre 2, je vous renseigne le yin et le yang, hein, nos deux parties intérieures. Là, on a vraiment besoin d'un aspect extérieur. Besoin de quelqu'un qui nous aide. Vraiment quelqu'un qui, une personne hein, ou une situation hein, aussi, bien entendu, qui est vraiment à l'encart de votre personne. Vous ne pouvez pas apporter une solution, une idée. Par vous-même. Il va falloir vraiment aller consulter d'autres avis, d'autres personnes autour de vous parce qu'il y aurait des choses qui pourraient se mettre en place. Donc, par rapport à ce 8, hein, le 8, c'est la signification de la position sociale, de la reconnaissance, mais aussi du matériel, de l'argent à proprement parler. Quand je vous parle du professionnel, c'est aussi le financier, d'accord? Tout ce qui est en relation avec le matériel, avec le concret, sous l'énergie de l'argent. Parce que n'oubliez pas que l'argent est une énergie qui forme donc le 10, le 2 plus le 8, d'accord? Qui forme le 10, donc là on vient dans une autorité naturelle. Alors j'aime beaucoup ce chiffre 10 quand il est associé à votre signe parce que le lion, vous êtes quand même la représentation de l'autorité naturelle. Vous êtes le roi et la reine de la jungle. L'autorité, vous savez ce que c'est, hein, ni plus ni moins. J'ai parlé d'autorité, je n'ai pas parlé d'autoritarisme ni de dictature, d'accord? Donc, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais il y a ce côté partenariat, cet accompagnement, ce besoin de communiquer et d'aller un petit peu chercher à se faire aiguiller, chercher à échanger. Donc, je vous lis la carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Accueillez les partenariats et les associations qui se présentent à vous avec confiance et enthousiasme. Donc, vous arrivez à un moment de votre vie où les autres peuvent vous être d'une grande aide. Bon, ben, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Profitez de ces occasions d'échanger avec des personnes bienveillantes qui peuvent vous soutenir et vous permettre de vous épanouir en étant pleinement vous-même. Voilà. Alors, l'affirmation, hein, si vous voulez amplifier cette carte...
c'est je profite des aides qui se présentent à moi pour y voir plus clair dans ma vie. Pas mal ça. Et au niveau du défi, ça va être de réfléchir aux personnes qui vous apportent de la confiance et des bonnes vibrations. Et voyez comment vous pouvez passer du temps avec elles dans les prochains jours pour échanger avec elles et vous soutenir mutuellement. Parce que je le sens vraiment, il pourrait y avoir des personnes qui vous desservent. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ça. Peut-être des personnes qui cherchent, quand je vous parlais d'aiguiller tout à l'heure, des personnes qui cherchent peut-être à nuire à votre popularité, à nuire peut-être sur cet engagement professionnel, hein, justement. Peut-être des personnes, alors pas, j'entends pas les bâtons dans les roues, hein, mais des personnes qui, vous savez, c'est comme un train avec des aiguillages. Et bien là, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans le poste d'aiguillage, justement, et qui se dit, bah, tiens, mon ami Lion, au lieu d'aller en direction de, ben, je sais pas, de la gauche, tac, au dernier moment, il change l'aiguillage et hop, là, vous allez à droite. Parce que, ben, ils ont envie de prendre le contrôle et de dominer peut-être votre énergie par rapport à ce professionnel, par rapport à l'argent, peut-être tout simplement. Donc, on va faire attention. Vous allez faire attention aux personnes de votre entourage. Il faut vraiment vous entourer de personnes de confiance dans lesquelles vous vous sentez bien, en harmonie, vraiment. Il y a des personnes qui véhiculent peut-être, qui ont déjà la connaissance par rapport à ces placements financiers, par rapport à cet argent. Il y a des personnes dont vous savez qu'il y a déjà une réussite qui est établie. Voilà, donc peut-être prendre l'exemple justement de ce genre de personnes. Au niveau du prédictif, on a la famille qui est encore appelée par le chiffre 28. Donc ce chiffre 28 va vous rappeler encore une fois qu'il va falloir faire peut-être des partenariats avec des membres de votre famille. Peut-être que vous avez un papa, un cousin, un oncle, une tante, je ne sais pas, qui est conseiller financier, qui vous apporterait de bons conseils sur tout ce domaine professionnel. Peut-être que si vous êtes dans une entreprise familiale, il y a peut-être des personnes qui sont justement, comment dire, déjà au fait de, j'entends, acte conséquence. Il y a déjà des personnes qui se sont fait peut-être avoir et qui ont déjà de l'expérience, qui ont du vécu par rapport à ça, par rapport à cette énergie de l'argent. Et j'entends placement financier, voilà, tout simplement aussi. Parce que ils ont déjà certaines cordes à leurs arcs et ils se sont fait peut-être déjà avoir, mais en attendant, c'est pour gagner du temps, c'est pour aussi prospérer. Vous voyez, il y a multiples petits piou-piou là, hein, au niveau de la au niveau de la maman, et il y a plein de petits piou-piou. Donc c'est ni plus ni moins pour faire prospérer aussi vos échanges, vos associations. Donc, il pourrait y avoir plusieurs personnes ou juste une personne de votre famille qui est à même de vous aiguiller dans les bons projets et dans le bon chemin pour arriver plus rapidement sans aller sur des voies de garage, sans aller sur des impasses. Je vous dis ça parce que, regardez, la carte centrale, c'est la fatalité. Si vous vous trompez de partenaire, si vous vous trompez, alors ça peut être aussi hein, dans la sphère sentimentale, bien entendu, parce que partenariat, c'est aussi le partenaire, le ou la partenaire. Donc, faites attention vraiment à qui vous entourez. Pendant ce mois, il se pourrait aussi, je l'entends, que votre partenaire, ou il ou elle hein, d'ailleurs, se sente un petit peu à l'encart, se sente peut-être, j'entends rejeter, ce mot me va bien fort, mais je vous le dis quand même, il se sente délaissé, voilà, mis sur le côté, parce que vous êtes tourné dans cette énergie de l'argent, dans cette énergie financière, dans cette énergie de position sociale aussi. C'est vraiment important pour vous pendant ce mois de juillet. Et quand je vous l'ai dit que vous partez peut-être en vacances pendant ce mois et que vous emportez une partie du travail, du boulot chez vous, parce que vous n'arrivez pas à décrocher, parce que vous avez l'impression d'être parti en oubliant quelque chose. Vous savez, on a cette impression des fois, on a fermé tous les volets de la maison et puis on se dit, oh, mince, j'aurais pas oublié de couper le gaz, mais il n'y a pas un robinet qui coule, mais je n'ai pas oublié d'éteindre la lumière. Mais là, c'est la même chose. Dans vos bagages, vous amenez cette énergie du travail, du boulot. Et ça va peut-être pas plaire à votre partenaire, à votre famille, parce que vous n'arrivez pas à décrocher. On est dans des syndromes un petit peu de charge mentale qui peuvent conduire ensuite à du burn-out quand on n'arrive pas du tout à décrocher et à se désaxer, voilà, à sectariser ces domaines, en fait. Donc,
Faites attention parce que ça pourrait vous être reproché justement. Et quand je vous parlais de burn-out, je n'avais pas du tout fait la relation. Quand je vous parlais de burn-out, c'est ça hein, que cette carte, elle veut dire, 25. C'est d'outrepasser un petit peu ses limites. Vous voyez, hein, le 2 et le 5, c'est d'outrepasser ses limites et d'être trop dur envers soi-même, d'avoir trop de choses dans sa tête. Et du coup, ça pourrait... Ben voilà, ça pourrait vous abîmer en fait, énergétiquement parlant, vous pourriez être un petit peu déstabilisé. Vous pensez trop, vous gobergez trop. Voilà, donc on vous rappelle vraiment que c'est par rapport à vous, hein. C'est la consultante au niveau de l'oracle de G. Cette femme, elle me fait vraiment penser, parce qu'elle est habillée de rouge, elle me fait vraiment penser à l'ancrage, à l'énergie de la terre. Et au fait d'être trop dans l'action. Vous voyez, vous êtes encore trop dans l'action et pas assez dans le repos. Et peut-être que vous ne vous reposez pas assez sur des personnes de confiance. Peut-être de famille, hein, d'accord, hein, ça, on l'a vu, on vient de le voir. Mais ça peut être aussi des collègues de travail. Peut-être que vous estimez qu'en quittant ce travail, personne ne pourra reprendre derrière vous. Et vous vous dites, oh là là, je vais partir, mais quand je vais revenir, ça va être le bazar. Oh là 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 là, je ne peux pas partir 15 jours, je ne peux pas partir 3 semaines, ce n'est pas possible. Ils ne vont pas s'en sortir, personne ne va faire mon travail, personne ne va récupérer. Alors, vous avez peut-être raison, hein, parce que vous avez peut-être des compétences propres, tout ça, mais faites confiance à vos associés, faites confiance aussi à vos collègues, ils vont gérer, hein. Voilà, personne n'est indispensable. Hein. Moi, quand j'entendais souvent cet adage, des personnes indispensables, il y en a plein les cimetières, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine vraiment de vous prendre la tête avec ça. Décrochez complètement avec le travail, voilà. Et profitez vraiment, alors même si vous continuez le travail, vous n'êtes pas encore en vacances, hein, mais profitez aussi du fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un d'autre, une personne de confiance. Comme je vous dis, faites attention à ces personnes qui vous entourent. Choisissez les bonnes personnes. Au niveau de l'état d'esprit, si vous avez compris ça, vous allez tomber dans de l'harmonie. Regardez le 25 qui forme le 7. Donc, dans cette liberté, et dans le fait de ne pas dépasser non plus, de ne pas être trop dépassé, de ne pas être dans cette charge mentale, vous allez quand même pouvoir profiter. Voilà. Donc là, on a l'harmonie. Les lauriers, c'est quand même aussi la réussite. De décrocher, ça va vraiment vous permettre de... Voilà. Je fais confiance. Je sais que la vie me réserve des bonnes personnes en face de moi. Je sais que si je l'appelle, si je fais les demandes, des personnes de confiance viendront vers moi. Donc, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu, à la source, qu'importe vos convictions. Mais il y a des beaux messages, il y a des belles choses pour vous si vous rentrez dans cette énergie-là. Bon, le besoin, c'est quand même de travailler, hein? Travailler, astiquer. Ça me fait toujours rigoler cette carte. Travailler, mais dans la communication, parce que là, on est sur l'énergie du 30. Le 30, c'est quoi? C'est la communication, la créativité. Donc là, ça va être, bah, avant peut-être de décrocher, de partir en vacances, ou en étant justement là encore présent sur le travail, sur le boulot, bah, c'est peut-être travailler en ce sens, dans cette communication, dans cet échange, d'accord? De ses partenaires, féminins ou masculins. Et de lâcher la bride, de lâcher un petit peu ses responsabilités. Vous en avez de trop. Vous voyez, vous êtes très solaire. Les gens ont l'habitude de vous confier des responsabilités. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Il y en a trop. Il me semble d'ailleurs que dans l'énergie du mois de juin, j'arrivais plus à. J'arrivais plus. Il me semble que vous l'aviez déjà, ça. Hein. Les gens se mettent trop sur vous, sur votre côté solaire. Et ils pensent que vous êtes capable de tout parce que vous êtes dans la représentation du soleil. Donc. Vous êtes capable de briller tout le temps. Et puis, ben, quand vous avez un petit coup de mou, ben, tiens, c'est pas normal. Enfin, voilà. Donc, non. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est le conseil. Pardon. C'est le conseil. C'est de vous ressourcer. Voilà. Donc, vous ressourcez. Ben, regardez, c'est la petite plante, la petite graine. Tranquillement. Tranquillement chez vous. Tranquillement en vacances. On est sur le 36. Le 36, c'est le 9. C'est la sagesse. C'est savoir s'arrêter à temps. Quand je vous ai parlé tout à l'heure. D'outrepasser vos limites, d'outrepasser et de ne pas vous écouter. On est exactement là-dedans. Vous voyez, cette carte, elle vous rappelle que vous n'êtes pas un super-héros. Voilà. Vous n'êtes pas une ou un super-héros.
Voilà, la journée, c'est que 24 heures. Vous êtes au travail pendant 10 heures, 12 heures, je ne sais pas, peut-être moins, plus ou moins. Mais en attendant, dans ce temps qui vous est imparti, c'est le temps professionnel. Ensuite, quand vous quittez le professionnel, essayez vraiment de débrancher la prise et de prendre du temps pour vous. C'est vraiment très, très important. Donc, se ressourcer, ça peut être de plein de manières, justement en déléguant. Ça peut être délégué aussi à des membres de famille, d'accord? À votre partenaire, à vos enfants par rapport à des corvées, par rapport à des choses qui vous insupportent. Parce que je le sens, vous arrivez, vous ouvrez la porte, oh, il y a du bazar partout dans la maison, mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas aidée dans cette maison. Ça, c'est ce que j'entends. Je suis pas. Faut que je fasse tout, quoi. Et en plus, vous prenez la décision de tout faire. Mais à un moment donné, la décision, elle vous appartient, en fait. C'est que, il y a des personnes hein, qui occupent la maison hein, aussi, hein, qui vivent dans cette maison. Et chacun à sa place doit participer. Voilà. Donc, c'est ça aussi se ressourcer, c'est de redéfinir vos limites ainsi que celles des autres. Voilà. Côté professionnel, justement, parce que là on y est, hein, le savant, bonheur total. Alors, le savant, ça va être, vous voyez. Il y a une question de. Alors, il y a des cycles lunaires qui se mettent en place. Mais pour moi, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais pour moi, vous devez vraiment apprendre à déléguer. Vous devez vraiment apprendre à faire confiance à des personnes que vous n'estimez pas forcément pour l'instant. Parce que je le sens, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Voilà, j'ai eu un OK, pardon. Mais au jour d'aujourd'hui, pardon, décidément. Au jour d'aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a que vous qui peut bien faire, en fait. Il n'y a que moi qui peut bien faire. Donc, en fait, vous êtes toujours dans cette action. Toujours moi. D'ailleurs, on le voit, hein. Vous êtes dans l'action. Mais ça vous fatigue. Donc, ça va être de savoir combiner dans ce rôle de déterminer ses limites, les miennes, ainsi que celles des autres. Qui fait quoi? Dans quelle sphère je me mets? Dans quelle case je me mets? Et où sont les autres et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce que je leur accorde. Et au fur et à mesure, vous verrez que, en fait, d'ouvrir son estime, d'ouvrir sa confiance aussi envers les autres, vous verrez que ils sont peut-être même des fois meilleurs que vous dans certaines compétences et qu'en fait, vous perdiez un temps monstrueux et vos énergies étaient monstrueusement dépensées pour rien. Alors qu'il y a des personnes qui attendaient tout simplement votre aval pour pouvoir faire le même travail que vous et aussi bien que vous. Et alors derrière, vous voyez, hein, vous nagez dans le bonheur hein, parce que c'est des petits riens mais qui vous polluent au jour d'aujourd'hui. Vous en faites trop. Ça, c'est le mot d'ordre. Vous en faites trop et faites confiance. Faites confiance vraiment aux personnes autour de vous qui vous permettent vraiment de vous dégager du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, on le sait. Mais le temps, on ne peut jamais le rattraper. Et l'énergie non plus, hein, que l'on dissémine partout, on ne peut jamais la récupérer. Hein. Donner, c'est donner. Hein. Repris, c'est voler. Donc là, il va falloir absolument décrocher et se déresponsabiliser peut-être de choses. Tout simplement, vous aviez pris le contrôle de certaines choses alors qu'on ne vous l'avait même pas demandé. Mais vous étiez accaparé peut-être des situations ou des boulots qui sont hors de votre champ. Hors de votre fiche de travail, en fait, en plus. Donc, allez-y, remettez les œufs dans chaque panier et surtout ceux qui ne sont pas les vôtres, hein, voyez. Si vous avez les œufs roses et vous avez un panier rose et que vous avez plein d'autres couleurs, ce n'est pas normal. Donc, essayez quand même de regarder qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce que vous devez faire, vous. Voilà, vraiment, en vous responsabilisant et en disant, « Ok, mais ça, je l'ai pris, mais ce n'est pas à moi, en fait, à faire. » Voilà. Vous verrez, ça va vraiment vous libérer. Regardez, vous voyez, vous êtes dans des habitudes de vie nocives. Hein? Ah, entourez-vous de personnes positives. Regardez le partenariat, les personnes positives. Donc, énergétiquement parlant, je perds ma voix au fur et à mesure. Je vais essayer de la rattraper. au fur et à mesure, on a des habitudes de vie qui se sont... je vous l'ai dit, c'est la charge mentale. Ce sont des choses qui sont vraiment trop difficiles à vivre pour vous parce que vous avez... Vous dispersez trop votre énergie, vous voyez ? Ce côté solaire, eh bien, le soleil est en train de s'épuiser à l'intérieur de vous. Votre plexus solaire est en train peut-être de s'étouffer. Donc, il y a peut-être un travail par rapport à ça à faire. Donc, si vous voulez vous recharger, toutes les pierres qui sont reliées à l'ancrage, pour vous recharger, d'accord ?
Donc toutes les pierres qui sont le jaspe rouge, on a quoi? On a les pierres solaires aussi, la citrine, la pierre de soleil, la pyrite aussi, qui est une bonne pierre de concrétisation et de projet hein, pour porter de nouveaux projets. Mais là, on est dans des habitudes de vie qui sont, à mon sens, plus reliées au mental. Voilà. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est la charge mentale. Et vous voyez, de toute façon, la courbe, pip, 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 ça va. Un côté, ça va, un côté, ça va pas. Donc, dans votre vie d'aujourd'hui, de mois de juillet, pardon, peut-être que vous avez effectivement des hauts et des bas. Et sur ce mois de juillet, vous aurez peut-être des hauts et des bas. Ah, j'ai récupéré ma voix. Vous avez des hauts et des bas. Et ça fait comme cette pulsation cardiaque. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais oui, parce que un coup, vous avez peut-être des mouvements de colère. Peut-être que vous dites, ouah, j'en ai marre, personne m'aide. Je suis tout seul face à ça et j'en ai marre de tout gérer. Donc là, c'est vraiment ces moments de colère, ça vous épuise. Et puis il y a des moments où vous vous reboostez, puisque de toute façon vous êtes solaire, donc vous vous reboostez quand même. Et vous dites, ok, bon, mais de toute façon c'est pas grave, je peux gérer, je peux y aller, je peux outrepasser mes limites, je peux aller plus loin, il n'y a pas de souci. Voilà, vous boostez votre mental, vous boostez votre ego, vous boostez tout simplement. Et puis ça va retomber, hein. D'accord? Ça va retomber parce que vous vous équilibrez pas. Et puis vous avez des charges qui ne vous appartiennent pas. Hein. Je viens de vous le. On va pas le ressasser. Donc entourez-vous de personnes positives. Regardez. Émettez le vœu. Faites des demandes pour aller dans ce sens. Je veux réaliser des choses. Je veux concrétiser des choses. Les bulles, hein, c'est les rêves. Je voudrais prendre du temps pour moi. Quels sont vos rêves au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire dans un futur proche ou dans un futur plus loin, hein, si vous avez la capacité d'avoir des projets au long cours? Qu'est-ce que je veux mettre en place qui est important pour moi? Est-ce que je veux prendre du temps pour moi par rapport à quelle énergie? Voyez? Et qu'est-ce que je veux mettre comme énergie dedans? Mais oui, mais aujourd'hui, j'en ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez de temps. Voilà. Donc, entourez-vous de personnes de confiance qui vont vous apporter ce temps parce que vous leur aurez permis justement de. Voilà, de vous délester de tous ces poids. Point de vue amour. La guidance sentimentale. Tac, tac, et le lion ici. Donc, vous, hein, d'accord? Vous, mes petits amis lions. Et lionne, gros. Et gros. C'était ce gros. Votre partenaire, d'accord, hein, il ou elle. Et le lion, ce qui vous lie tous les deux, d'accord? Le trait d'union. Vie en commun. Vous voulez quelque chose de plus, vous voulez quelque chose de fort, vous voulez quelque chose de concret. Vous n'avez pas le temps au jour d'aujourd'hui, ça va trop vite. Et je vous en ai parlé, c'est peut-être aussi ce partenaire qui veut quelque chose de plus, qui veut peut-être quelque chose de. Il se sent peut-être délaissé. On le voit d'ailleurs, c'est dans la consultante. Alors, il pense à vous, voyez, il ou elle pense à vous, votre partenaire pense à vous. Ce n'est vraiment que vous. Au centre de son esprit, la personne qui occupe ses pensées, c'est vous. Il s'inquiète ou elle s'inquiète. Il a vraiment envie de vous aider, mais vous n'avez pas le temps. Vous passez comme une tornade en fait. Et vous n'avez pas le temps. Il n'a pas le temps de. Il ou elle n'a pas le temps de communiquer en fait. Alors, regardez, vous êtes sur le starting block. Alors, vous représentez le bélier, taureau et gémeaux, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est des signes qui sont dans la renaissance, qui sont dans le printemps, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de vitalité, vous avez beaucoup d'envie. Mais trop d'envie tue l'envie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses qui vous prennent l'esprit et qui vous prennent votre énergie que vous détenez pas la clé de ça, de cette profondeur d'esprit, de cette profondeur de, comment dire, alors j'ai pas envie de dire d'âme parce que c'est pas du tout ça, une profondeur de matérialisation entre vous deux, vous voyez? Alors, il ou elle vous envoie des messages, hein, d'accord? Ou peut-être qu'il va falloir aussi se poser et communiquer parce que là, on est quand même sur la communication. On est encore dans la carte 25 hein, qui me rappelait. Ah, c'était ça, c'était la fatalité. Je me disais que je l'avais vu ce chiffre tout à l'heure. Ce chiffre 25, qui est, je vous en ai parlé tout à l'heure, votre propre liberté, votre charge mentale, en fait. Donc là, il va falloir peut-être dire, je me sens trop occupée, j'arrive plus.
J'arrive plus, ça va trop vite. J'ai besoin qu'on m'aide en fait. Et j'ai besoin que tu m'aides, toi, mon partenaire, parce que j'ai trop de projets, parce que j'ai trop de choses dans la tête et ça m'épuise. Et au jour d'aujourd'hui, vous repoussez peut-être cette vie en commun, vous repoussez peut-être vous en avez peut-être peur de ça aussi, hein, d'accord, de cette concrétisation, de cette matérialisation, peut-être d'un achat immobilier aussi, c'est peut-être ça, un achat en commun, mais une concrétisation à deux. Voilà, faites confiance aussi à votre partenaire. Ça, je le ressens vraiment. Il ou elle est tourné complètement, ses pensées sont complètement tournées pour vous pendant ce mois de juillet, c'est très beau. Voilà, donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui a ses pensées qui sont occupées par vous aussi. Et puis elle n'est pas loin, hein, voyez. Vous le connaissez ou vous la connaissez parce que vous pouvez vous échanger peut-être souvent des messages ensemble. Voilà. Mais en tout cas, il y a un beau projet de vie, hein, avec cette personne, avec ce partenaire. Qu'est-ce que je fais? Je fais, je fais la Je fais la tambouille. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis, peut-être justement là, cette tambouille, cette nouvelle formule magique, c'est peut-être ça. Il y a une magie qui peut s'opérer pendant ce mois-ci. Ça peut être aussi par rapport à des collègues de travail. C'est peut-être une personne dans votre entourage professionnel. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis lions. Je vous dis à très bientôt, avec une meilleure voix la prochaine fois. Excusez-moi encore. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien pour le mois de juillet. Et puis d'ici là, prenez du bon temps. Ciao, ciao, mes amis lions.